CST peut-être un peu grâce à cette truffe que j'ai fait de la télé. Révélation inédite ce samedi 18 mars sur le plateau de Quelle Époque ? Sur France 2. Christophe de Chavannes a confié en présence du principal intéressé que CST grâce à Patrick Bruel qu'il est arrivé sur TF1. Une anecdote qu'il a eu bien du mal à expliquer, confronté aux interventions des autres invités. Parce que figurez-vous que Dominique Cantien, à l'époque, qui m'a fait faire CIST encore mieux l'après-midi pour laquelle je suis parti de Canal, où j'avais 5 minutes par semaine. A-t-il commencé ? Avant d'être ainsi interrompu par Pierre Lescure, 5 minutes c'était bien. Tu étais là tous les jours, lui a rappelé Michel Denisot qui présentait l'émission à l'époque. Je veux juste dire que CIST peut être grâce à Patrick que j'ai fait de la télé, a répété Christophe de Chavannes. Et pourquoi ? Lui a demandé Léa Salamé. Parce qu'il lui a été proposé de faire CIST encore mieux l'après-midi, qu'il a dit, non, je veux être chanteur et qu'on lui a dit, il y a un petit mec qui fait les gadgets à Canal+, t'en penses quoi ? Il a regardé, il a dit, ouais, tu devrais y aller, avec lui, et CIST comme ça que j'ai fait de l'antenne, a raconté l'ancien présentateur de Ciel Montmardi. Il est vachement bien, vas-y, avait lancé Patrick Bruel à la productrice Dominique Cantien. Si le chanteur venu faire la promotion de son nouveau single Linosti et de sa tournée 2024 avait accepté ce poste d'animateur, Christophe de Chavannes n'aurait peut-être jamais eu son heure de gloire. Patrick Bruel, toutes les femmes de sa vie. Le bel hommage de Patrick Bruel à Christophe de Chavannes, je sais pas si on vous remercie, a lancé Léa Salamé en regardant Patrick Bruel droit dans les yeux. De quoi faire rire le chanteur et l'ensemble du public. Je crois que la télévision peut me remercier parce qu'on a eu quelqu'un qui est arrivé et qui a changé le ton de la télé, qui a donné une nouvelle donne et qui a inspiré tellement d'animateurs et de présentateurs. On peut te rendre hommage, Christophe, pour ça, a lancé le chanteur fier d'avoir contribué au succès d'une des plus grandes stars de la télé. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Capture France 2.